Le déplacement ce mercredi 18 janvier 2023 vers les territoires de Madimba d'une importante délégation du parti au pouvoir constitue une étape hyper importante pour les travaux des Kisantou ayant pondu deux pertinentes résolutions. Séjour au parquet de grande instance des Inkissi, le président de la Convention démocratique du parti, Augustin Banonseyak, accompagné le rapporteur Guy Florentin Akweti et autres experts du parti en matière juridique, dit être venu obtenir de la valeur juridique pour ces résolutions. Nous avons pris deux résolutions très importantes. La première est donner mandat à M. Félix Antoine Tshisekedi comme étant haute autorité politique des référents du parti, pour postuler à la magistrature suprême aux élections de décembre 2023 en tant que candidat président de la République pour le cas de l'IDP Tshisekedi. La deuxième résolution était pour renforcer les pouvoirs du secrétaire général pour engager les partis, parce que c'est lui qui gère au quotidien. Alors, il n'y a pas eu le temps ces jours-là parce qu'on a terminé tard. Et pour répondre aussi à l'invitation du président de la République qui devait nous recevoir juste après ce forum de Kisantou, j'ai jugé utile aujourd'hui de revenir auprès du procureur de la République près du parquet de grande instance de Inkissi pour légaliser ces deux résolutions. Nous devions rendre ça officiel par les institutions de l'État parce que c'est, comme je disais tantôt, est afin dans cette juridiction territoriale, nous devions les légaliser. Officiellement, les résolutions ainsi notariées au parquet des grandes instances de Inkissi dans les territoires de Madimba, ville de Kisantou, ont été remises au délégué de la CDP par le procureur de la République, Raoul Mukodi Kasiama. À leur tour, le membre de la 9e composante de la CDP les ont remis entre les mains du désormais chef du parti Foule, Augustin Kabuya. Pour que vous puissiez engager réellement les partis et les partis civils dans les instances officielles, il était de mon devoir de revenir à tous ces jours sur cette terre de colonisation de Simon Kibango et qui m'invite à Kassarougou. Comme j'étais parti, je devais répondre d'abord à l'invitation qu'a lancé son excellent monsieur le président de la République au Chapiteau, à l'OIA. Je devais rentrer pour légaliser, comme ça s'est fait partout, mais notamment auprès du procureur de la République, auprès du parquet de grande instance de Inkissi. C'est ce qui est fait. Maintenant, je vous le remets officiellement pour que vous puissiez. Ainsi éclos les débats, Augustin Kabuya, Monabouté de Félix Tshisekedi, dit AK-47, devra officiellement engager le parti vis-à-vis des tierces, notamment assurer sa bonne organisation et son bon fonctionnement.